Voilà. Salutations. Bon, je dis nous. En Côte d'Ivoire, la fumée, ça gagne là dans le Canada. Mais visibilité à pas bon. L'air là-bas, on dit tout, on apprécie. Donc, je demande nous. Nous mettons masque en figure, nous, nous sommes dans la rue. Bon, je fais ça, me fait là, mais malgré dans mon nom, on petit temps là, si je me tire, masque là. Masque n'a pas un petit bien. Et n'a peut-être un petit bien tout. Donc, je demande pour ne pas mettre masque, parce que masque là. Masque là qui a protégé contre l'air là qui pollue à cause de ça qui passe au Canada. Alors, au Québec, je vois un signe de ici. Et je fais forêt ça maintenant à quoi au Québec. Et je vois la fumée et cela prévoit que tout week-end en net, et les zones n'ont pas affecté. Les zones qui ont affecté, c'est surtout dans le nord-est avec Midwest, États-Unis, n'a pas de tout. Et Ohio, toute zone. Et Nouvelle-Angleterre, ça les New England, Boston, tout le monde ça, tout le monde ça, visibilité a affecté parce que l'air là-bas. Je dis peut-être dans le week-end, la température capable de baisser et le vent capable de changer de direction. Et c'est peut-être l'air ça, très certainement, par l'environnement capable de faire un changement, capable d'avoir une amélioration dans l'air que nous avons fait. Mais même nous-mêmes qui sommes dans la Chine, là, nous affecté sérieusement. Et puis l'autre actualité, grand point qui s'est déjà devenu actualité, c'est et là aussi qui dit lui-même la continue d'attaquer l'Ukraine, et l'Ukraine lui-même tout dit à peu près kiff. Et c'est une autre pour elle, et qui s'est fait et qui a essayé ça, dit qu'on fait là-dedans. Mais personne ne sait exactement qui est et que guerre la finie, mais personne pas à l'horizon. Et il y a une date qui va après dire qui s'est appuyé, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui a annoncé qu'il pouvait aller en Chine. Mais c'est très bientôt, il va qu'on fixe une date. Moi, pour voir ça, il pouvait être fait déjà, mais les États-Unis ont annoncé annuler le voyage là. Après, un ballon et espionnage chinois qui est entré sous territoire américain, surtout dans une zone sensible, une zone où les bases militaires américaines étaient. Eh bien, il y a des espionnages d'université photo de l'Impan. Eh bien, l'armée américaine était descendue ballon ça pendant qu'elle était sous côte Caroline du Sud. Elle était descendue et elle était fouillée pour être satellite là dans l'île. Parce qu'elle fait la Chine aux gens boudés et tout. La Chine était accusée de l'Italie de dire qu'elle était agitée trop brutale. Parce que c'est un appareil là, c'est pas trop espionnage, c'était vrai, c'est un bail qui t'a fait étude. Mais pour quelque soit raison, il était échappé et dans la main, il était échappé et il était en fait, et ton appareil était téléguidé, donc l'organisateur était perdu contrôle. Donc ça fait le temps sur le territoire américain. Mais après, ça a été une deux autres encore, et qui était presque dans la même zone encore. Et puis, nous avons dit que la bonne nouvelle là aux États-Unis, c'est la justice américaine qui inculpe l'ancien président Donald Trump pour dossier ou bien document secret de Téjeune Nakali, qui est FBI. Téjeune Nakali est dans Mar-a-Lago, dans l'État Floride. En tout cas, l'ancien président, nous avons bloqué candidat et qui a cherché nomination au Parti républicain pour l'élection présidentielle de 2024. Et bien, il y a pour lui dire en tête. Mais il y a pour le présenter devant le tribunal fédéral dans Miami et cela mardi prochain pour la rendre tête. Donc, son accusation, personne ne va connaître. Une accusation, lorsqu'il y a une tête, il y a quelqu'un beau. Il y a tout qu'un beau. Tout comme tout, il y a quelqu'un qui doit aller sous caution. Ça a fait déjà, ça a passé dans New York, il était venu, il va être Kimberly, mais en plus nous dit que ça va rentrer. Il va peut-être y aller parce qu'il a accusé lui. Et c'est lui-même, le président Donald Trump, lui-même, qui fait annonce là sur les réseaux sociaux, il possède à créer les troupes sociales. Et il dit ça à avocat, il était informé, donc lui-même il prend un débat avec Nouvelle là. Et depuis hier soir, Nouvelle là fait actualité, il n'y a pas de qui ça veut dire. Ça va le dire que c'est le président, le candidat, est-ce que ça va dans la prison, est-ce que ça va le candidat de Chile. Des questions que seulement experts dans le domaine là sont capables de répondre. Et puis dans l'autre grosse nouvelle encore qui domine l'actualité, c'est visite et c'est sommet en principe leader CARICOM et fait dans
dans sous Bahamas. Et nous avons que c'est Bahamas actuellement qui a présidé et sommet qui a présumé et présidé et groupe CARICOM. Donc et Philippe, qui est premier ministre de Bahamas là, et bien lui-même était organisé un sommet, et puis vice-président américain Kamala Harris et rendu dans le sommet à côté de parler avec l'Assemblée. Et il était tout profité pour l'offrir et région, en fait, organisation régionale là, plus de 100 millions de dollars qui pour aider au combat. Combattre le trafic illégal d'armes, problème environnement, et puis aider à résoudre la crise dans le pays d'Haïti. Tout le crise humanitaire dans le pays d'Haïti a profité de visite Sato pour lui offrir un lot 53 700 000 dollars pour Haïti. Et donc, le premier ministre a été présent, une fois que Sato est retourné en Haïti, je dis, mais il était présent quand même. Et dans un ça, même partie de la table là, côté vice-président Kamala Harris, t'as fait, dans un moment, vice-président Kamala Harris a fait annonce, il est parti sous table là. Mais annonce a été faite quand même, son 53 700 000 dollars, pour le Haïti encore, et puis il parle de possibilités pour mettre une police, et parler des polices nationales là, et il dit que les États-Unis vont être tout ça capable pour forcer, ou bien pour assurer qu'il y ait une force. On force étranger qui est censé aller des polices nationales là et combattre activités gangueuses dans le pays là, justement qui parle de bouger sur l'élection. En parlant de ça, on a dit que 11, 12, 13, c'est pas 3 jours où on rencontre inter-haïtien qui va dérouler dans Jamaïque, toujours sous initiative et Bahamas, ou le premier ministre bahaméen. Eh bien, et plusieurs leaders politiques haïtiens, puis là, accepté de participer dans l'Omble. Ça, avec espoir que Cap Souti n'en rencontre déjà, rien d'arrêt, la déclaration de Kingston, qui est capable au moins de venir en solution. L'île t'a dû sur tout le monde, ça a fait déplacement, le Cap Montreux, tellement ça, il a fait déplacement et il peut assouti avec les mains vides, sans pas une déclaration, au moins sur tout le pays d'Haïtien. Il y a des gens qui critiquent le tout. Et par exemple, le responsable de HTCA, n'a pas eu de haute commission de transition, madame Roger Madiga, qui a dit qu'il n'était pas parlé. Et la raison, il dit qu'il n'y a pas grand chose à le faire. Parce qu'il dit même l'idée à faire un compte pareil. Donc, ils sont doublés pour le faire. Et qu'il pense que toute solution soit avec le pays d'Haïti, pas de dérouler dans le pays étranger. Et c'est pas de dérouler dans le pays d'Haïti. Mais son opinion qui. L'autre secteur tout qui est lui dit que ce n'est pas la première fois un pays qui a un problème à Cali et puis solution pour le problème Cali discuter dans leur pays étranger et il parlait de conflits arabes, conflits palestiniens, israélo-palestiniens, il parlait de conflits Irlande du Nord avec la Grande-Bretagne, il parlait de Baïsaïe, il parlait de conflit colombien, guérilla colombien avec le gouvernement colombien. Et puis j'ai exemple, et en dernier lieu, même cité exemple, par exemple, les présidents haïtiens, en fait, anciens présidents haïtiens, il y a un problème après coup d'État avec les militaires, son dossier qui n'a pas été résolu dans Haïti, et c'était dans les îles gouverneurs de la Lande que le dossier s'est discuté, même les deux leaders, en principe, leaders, on a parlé de général Raoul Cédras. Et pas tellement rencontré avec le président Jean-Bertrand Aristide pendant la négociation, mais deux parties ont signé, on va permettre que Aristide retourne en Haïti. Voilà. Donc ça dépend de quel lecture que vous faites de dossier-là. Donc, et puis, il y a tout, un dossier Limofolia qui finit, en fait, le responsable, le organisateur, je suis satisfait de journée. Journée culturelle, ça. Et les livres folie, que tu es en pile participation, même les grands groupes, un groupe d'auteurs qui t'ont dit eux-mêmes qu'ils n'ont pas participé là-dedans parce que l'organisateur était choisi, ancien général et militaire Prosper Avril, comme invité d'honneur. Alors, l'organisateur, la personne de France Duval, t'a défendu décision 1. Décision, je dis même, c'est pas général militaire a été invité, mais c'est plutôt c'est l'auteur, c'est écrivain qui est avec eux depuis longtemps, qui participe dans chaque édition toujours là, et qui écrit sur ces deux bagailles,
qui est tabou que nous ne partons pas de eux, mais lui-même dit que c'est l'auteur qui a été invité et c'est lui-même qui a été invité. Ça, c'est l'auteur, c'est pas le général. Voilà. Et puis. Et puis, il y a eu une manifestation dans ma amie, tellement fanatique de football, il était content. Annonce ancien footballeur et Paris Saint-Germain, Argentin Lionel Messi fait pour dire qu'il va jouer, il choisit à jouer dans l'Inter de Miami. Et contrairement avec l'Université de Fakopon, il était capable de jouer dans FC Barcelone, ou il était jouer en Arabie Saoudite, mais pour qu'il soit lui, ils ont, et personne ne va attendre, qui va me dire, c'est pas l'argent, il n'est pas dansé pour l'argent, ou bien l'argent ne va pas faire danser. Donc s'il choisit à jouer dans l'Inter de Miami, c'est parce que l'argent va faire danser, parce que leur côté de tabac plus l'argent. Pourquoi on ne sait pas si on a balancé de l'argent et on va même parler avec en Arabie Saoudite, côté par exemple, français Karim Benzema, si on contrat douce, on contrat rololo, tellement que l'argent dans le contrat ça, qu'il y a responsable, il y a d'accord pour M. Kara, puis jouer. Et après, M. Vim passe près de 14 ans, après le Real Madrid, il a remporté un pile coupe, et bien M. quitté, qu'on a M. allé. Et puis c'est ça. Et puis nous avons pour nous parler de jeudi à Clin Lacaille, donc monsieur a pris un repos. Et en même temps, il y a eu pour avaler de bataille. Non, la travaille, mais avec moins de pression que leur travail dans la base là, en général dans Washington. Et puis j'ai pris pour parler, non, par exemple, de l'inculpation de ce président Donald Trump, dans l'inculpation Donald Trump que la justice américaine fait. Le président de l'ancien président a un paquet de dossiers devant la justice. Et nous avons compris M. Pralfa pour nous démêler ça pour sortir là-dedans. Parce que c'est une qui a pris le sur l'autre. Madame Jean-Baptiste, bonsoir. C'est une qui a pris le Robinson Jean-Julien. Bien content, papa. Content. Merci pour aller. Merci pour aller là. Mais ok. Je dis à Nabdouke Haïti, section nationale et haïtien Grenadier, il était deux jours un match amical avec Inter de Miami. Dans Miami, mais sans match amical. Je ne suis pas là, mais si c'est l'année prochaine, on a commencé. Et parce que je ne peux pas aussi un contrat à Pontier, mais au moins, il a manifesté l'intention déjà pour la jouer. Donc, son match avec tout porte fermé. Donc, pas une fanatique qui parle là. C'est juste un match de test pour les deux équipes, parce que l'équipe Miami n'est pas tellement bienvenue dans le championnat MLS là. Mais au moins, la sélection nationale a préparé tout. Donc, peut-être c'est un bon test pour la sélection nationale là. Ah, papa, n'a ah, et puis ça ne dit que Sandra qui vous parlez de. Et puis Sandra parle de différents rapports qui prennent en forêt. Mon New York, nous avons une bonne mise en passé avec la fumée ça qui est voilée, qui bloque le ciel New York là, qui vient empêcher nous pas à voir. Gros gratte ciel. Bon, bonne ça fait nous. Ça va faire nous. Tout bien valer. Saint-Louis qui parle de Baïsa, qui parle de diffuser ça, comment il est affecté les résidents. Aujourd'hui encore, Sandra vient avec. Plus réaction qu'il y a on y a plein de diffus ça. Et puis qui sent comme des cadres, dis-nous encore. Jeudi à ce vendredi, c'est jour Rodriguez. Rodriguez a parlé nous de nouvelles souveraines de Tio, activités de Tio, qui s'est fait, qui s'est mené. Et puis nous avons des journalistes qu'on fait nous, et Yumi, Janit, qui est avec nous dans le cas depuis monsieur, nous avons ce nous là, qui est avec nous dans le cas là, et monsieur, Libra Fonti parle de sport. De gros à grands points qui dominent actuellement. Il se passe là pendant ce moment-là. Léo Messi qui a annoncé pour aller dans Inter Miami. Et il a parlé de Karim Benzema qui signe et avec le club champion en Arabie Saoudite. Là. Et puis l'autre transfert qui vient dans le match. Et puis pas oublier demain, bon, gros final. Et puis Coupe du Monde dans tout. Coupe du Monde, trophée Coupe du Monde Australie et Nouvelle-Zélande qui va en Australie. Donc tout ça, c'est bien que nous également. Et Yumi Janet a pu préparer le nom pas sportif là. Et j'en suis à parler nous de garçon à combien, mesdames, mon compère, dans Ouganda. Côté que le gouvernement, ça va que nous avons été passé, il est signé une loi qui punit les gens qui sont homosexuels ou bien. Non, non. Alors, moi, je me dis, garçon, mon compère, mesdames, mon compère, j'en suis dit l'autre, lui-même, j'en suis dit le plus vif. Et mais qui punit et puis conséquence si un tu dois ça gagner organisation qui vont supporter
activité en Ouganda qui commençait à l'école, donc on ne sait pas du financement, etc. Donc aujourd'hui, je ne sais pas qui vous parlez de ça. Et puis, il y a une grosse organisation qui organise un sit-in devant Primatia, jeudi. Et il y a certainement expliqué Mathieu de Vigny après temps pour parler de ça. Et justement pour dénoncer ce qui a passé dans le pays, etc. Et puis, le commissariat a bloqué, il était trouvé dans les Bahamas. Côté ancien président, en fait, vice-président américain, Kamala Harris, a annoncé à 600 millions de dollars pour région, pour groupe là. Les marchés comme un Caraïbe, donc Caraïbe comme un. Et on a 53 700 000 dollars pour Haïti. Mais après, ils m'ont dit oui, mais le Premier ministre n'a pas de sur table là, les amis sont en fait là. C'est seulement le Premier ministre bahaméen qui est là, avec le vice-président américain qui a fait l'annonce. Mais nouvelle était apportée tout, il y a des possibilités pour que le vice-président ait fait un parler et en marge. Avec le sommet et leader carré comme eux, avec le ministre Alain Bond, c'est comme ça fait. Mais le premier ministre Henri Tadoué tourne en Haïti jeudi et pour retourner dans Jamaïque dimanche, parce que dimanche c'est coup d'envoi dans le sommet inter-haïtien et cap de la classe politique là, société civile là, groupe droits humains et tout le monde pratiquement qui doit là à plat. Montana a annoncé que la présent et groupe droits humains après. Contrairement avec l'encontre que HTC a fait récemment, pour qu'il y ait un groupe qui était boycotté, qui n'a pas de ligne tout simplement. Alors il y a un monde qui expliquait que c'était non niveau dans le domaine de planification, parce que l'État assemblé a reçu l'invitation un peu tard. Il y a un groupe qui même dit qu'il a reçu l'invitation la veille que la rencontre a déroulé. Mais tu as un bail qui est sorti, mais il n'y a pas vraiment un bail et pas un gang qui dit effectivement sur ça, d'autres personnes ne connaissent pas. Et sur la pour nous, quand commencer ça, il y a un groupe qui m'a dit que sur la pour nous, avons un groupe haïtien qui est sur la frontière dans la zone Matamoros et dans la zone c'est Matamoros et McAllen, Texas. Et qui te crime et qui petit moins a et pas bon pour yo yo arrivé l'autre bois yo dit que yo besoin continuer voir jamais pas capable pas une priorité donc c'est y a dormi mais même c'est pas destination de destination finale sur leur côté et bien on a profité de ça pour que l'administration américaine et passer en fait ça n'a une sorte d'extension ou afghan yo. Afghan c'est on mesure en fait pour un visa humanitaire même j'ai envie de faire pour haïtiens canadiens haïtiens cubains vénézuéliens avec nicaraguayens ça relève un programme humanitaire sous conditionnel pour citoyens afghans que renouveler et bien lui-même là il y aller beaucoup plus loin donc afghan on est programmé de quoi organiser après États-Unis quitter Afghanistan. Et bien, tout l'argent qui est là, il y a eu un visa humanitaire pour être carité dans le pays. Et travail, chercher permis de travail, faire permis de travail. Et puis, à l'école, tout ça, il fait. Bon, le programme ça a expiré. Donc, l'administration américaine a renouvelé. Alors, là, il a renouvelé. Il y a eu peut-être un petit gens élargi pour les gens qui qualifient. Il semblait que les gens sont capables d'ajuster la stature. Haïti statue, c'est-à-dire que tu as l'air de parler en plus forme 485 ans, et AI 485 ans qui veut dire que vous venez de résidence, mais c'est pour les gens qui qualifient. On va comprendre ça, mais au moins les gens ont un compte qui est beaucoup plus large. Et pour les gens qui concernent un programme humanitaire et conditionnel, et l'administration Biden a annoncé 5 janvier passé aux citoyens 4 pays, Cuba, Haïti, Venezuela, avec Nicaragua, un programme non la pas possible, la pas possible, la continuer jusqu'à ce qu'il y ait un parti concerné, on a parlé 20 États qui étaient pour des plaintes et pour demander de mettre fin dans le programme ça, 20 États dans le sud des États-Unis qui demandent pour être parmi le Texas, et bien, jusqu'à ce qu'il y ait un dossier,
eh bien, les gens nous entendent avec l'administration, ils ont envoyé l'audition qui est faite là et ils ont envoyé pour septembre, fin septembre, et avec une décision qu'a prend en octobre. Nous avons cité pour le mois de juin, donc là en octobre. Et l'administration, dernièrement, a été fait une évaluation de programme dans presque un mois, en fait, ça fait exactement. Et demain, après un mois et demi, nous avons fait dans la loi 542A, côté que la loi qui est en application, c'est le 18 là, la loi sur l'immigration, même depuis que vous retournez dans un pays ou deux ou cinq ans, mais depuis aux États-Unis, même si c'est de façon légale, on va pas venir, eh bien, le programme ça, évaluation que l'autorité américaine fait, je dis, constater une diminution complète qui fait de près de 70% du monde qui s'est mis en communauté dans les frontières. Et sans légal avec une diminution, et puis le monde qui vient à partir de rendez-vous, il a utilisé une forme ou bien par application CBP maintenant pour prendre rendez-vous. Et je crois que on va alors la raison, c'est parce que il y a un combat, il fait, il y a une annonce qu'il fait, justement pour déjouer activité et activité trafic en haut. Activité trafic en haut, pour faire des fausses informations, qui disent que les frontières, il y a pas de pas vrai, il faut qu'on ait que les frontières techniquement les fermées, mais il dit que ça a un résultat pour eux-mêmes, le fait qu'il y a une sensibilisation. Il fait des biens Panama, tout, qui commence son programme. Et on programme tout dans la forêt d'Ariane, parce qu'on rappelle que la forêt d'Ariane, c'est lui-même qui sépare Colombie avec. Entre Colombie avec Panama. Donc c'est lui-même les compatriotes qui sont venus, mais pas seulement les compatriotes, tout le monde qui sont en Amérique du Sud, Amérique centrale, Caraïbe, tout qui veut venir, et qui a pris aux États-Unis par la route, c'est là où passé, il a traversé la forêt d'Ariane pour des grands piles, des histoires vraiment tristes. Monde qui est privé, qui mourit, qui paye le fait voyage là, mais au traversé forêt à net, et puis de Colombie étant, et puis au traversé de tomber Panama. Et une fois qu'on tombe Panama, il faut faire autre là, jusqu'à ce qu'on entre dans l'Amérique centrale, et de l'Amérique centrale, et on entre au Mexique à partir du Guatemala, et de Mexique, on fait reste sur la bien net, et maintenant, on a permission, etc., et puis on continue jusqu'à ce qu'on soit sur le Il y a des gens qui font et on arrive là. Et nous sommes arrivés là entre les États-Unis. Les vampires, mais les gens qui veulent quand même. Eh bien, l'administration dit satisfait jusqu'à présent avec les résultats à Salouéo. Mais il dit que c'est un problème pour les jeunes, il faut jeunes à ce problème. Non, pour ils savent que les immigrants sont obligés de quitter le pays pour faire voir les dangers, pour venir en Mexique, pour venir aux États-Unis. Et est-ce que pas jeunes à ce problème? C'est le que les États-Unis disent limiter. 200 côté que les immigrants sont capables de demander asile et d'abord dans Colombie et puis dans l'autre centre encore dans Guatemala pour demander asile parce que du souvenir dans la frontière pour demander asile dans un port pour dépasser et bien eux déjà capables pour pas et pas accepté de demander pour t'avoir faire excepté que si quand on devait faire demander ils refusent. Donc, l'arrivée tout, il faut montrer qu'il y a vraiment des raisons qui va la chita, on va rationnel, ou bien peur surtout dans la caillou, le gars ou à manger, ou bien bandit à bateau, etc. Il faut que tout le monde sache, tout à coup, nous sache pour convaincre l'officier immigration, ou bien encore, quatre frontaliers, que les mêmes raisons fortes, ou pas qu'à arrêter, ou pas qu'à tourner le pays, ou pas qu'à vous. Oui, mais le dossier a marché en attendant. Il y a seulement des difficultés qui gagnent et nous avons un peu de monde à barrer pour ça. Et c'est surtout le monde qui fait l'application. Moi, dans l'application pour le programme humanitaire en janvier. C'est l'administration qui dit qu'ils font un plan, côté que les frontières sortent pour nous voir habitants. Et puis côté, il y a 50% dans le monde qui a appliqué bonheur dans le programme, dans le monde qui a appliqué en janvier. Mais ça veut dire que les gens qui toujours babé toujours dit que j'ai envie d'appliquer, vous j'entends des vous j'aimerais des yeux, non plus pas une réponse. Alors que l'administration interdit que les gens qui t'ont appliqué une fois pour ne pas faire application une deuxième fois encore pour ne pas doubler, parce que ça, si c'est non rejeté, demande-moi. Donc je dis aux gens, en patience, parce qu'il y a plus de souffrance. On va remonter patience pour tout, et les gens qui ont besoin de venir. Voilà, c'est la situation. Et pour les gens qui demandent, on s'y parle un petit peu de programme, non? Mais il y a mon disfrontière. Et il y a mon disfrontière qui n'a pas fait un parking dans Panago, excepté à avancer pour plus de
Donc les autorités mexicaines récemment ont commencé à retirer les gens qui sont pré-frontières pour diminuer la pression qui sont les gardes frontalières. Donc, faire mon entrée plus en dans la ville, et mon aller sur toutes les lignes 8 ou 9 et port d'entrée qui gagnent, et bien, y aller là, établir tant que là, avec espoir expliqué. Un bon matin, les États-Unis ont dit, bien, mes amis, nous, on l'attend à rentrer. Mais tout ça qui mettait la vie à risque, contre gang, cambrioleur, voleur, et qu'a déjà que tout le monde ça qui mettait la vie en danger. Donc, l'administration a dit, pas de ça, mais. Autour de la sécurité qui est venue prendre résidence, c'est la CAI Mexique qui prend, bon, l'autorité Mexique qui a obligation pour offrir une protection en attendant bon bagage qui passe, qui a fait pour eux. Mais les immigrants, les jeunes pour plus fort actuellement, ils ne sont pas de ces fonds partis à Banago, alors que le Mexique est venu entendre avec les États-Unis pour accepter par mois 30 000 immigrants. Haïtiens, Vénézuéliens, Nicaraguayens avec Cubains. Ce que les États-Unis ont refoulé. S'ils n'ont pas accepté de rentrer, ils ont refoulé le Mexique. La vacité est immédiate. C'est ça, hein? Nous avons mis tout ça gain. Donc, après-midi à la poète, c'est moi qui ai présenté une émission après-midi à, et je me parle de Rodriguez qui a présenté nous. Et. Il a présenté une nouvelle sur l'activité de l'électeur. Et puis, il était probable que le premier ministre ait l'envie après tout le monde. Parce que c'est juste dimanche. Délégation, en fait, il y a un journaliste qui va aller indépendant, qui va aller dans la délégation, mais la délégation qui restera demain, elle va aller à Haïti, ou éventuellement dimanche matin. Mais Roumblé a commencé début dimanche et grand pile. Et leaders politiques, membres de la société civile, membres du groupe de droits humains qui ont même favorablement répondu que vous parlez dans un compte ça. Il y a des gens qui sont contents que, au moins, ils espèrent qu'il y a retourné à Haïti avec une autre solution. Parce que si une solution pour bailler une autre, le gouvernement de transition encore, personne ne pas connaît, seulement il n'y a que d'attendre. Mais, vous êtes branché et n'importe information, toutes ces informations pour se souvenir avec ce qui a passé et ce qui a dit sous ce message-là. Voilà, moi je salue nous depuis la capitale fédérale américaine à Washington DC. On se dit de passer un bon week-end et rappelez-nous si on a conduit pour ne pas consommer d'alcool. Et si vous voulez consommer d'alcool, pour ne pas conduire machine. Et au même quitte à un passager, ou pas obligé de dans nos machines, vous ne conduire une machine avant, après vous ça, il finit de consommer d'alcool. La vie est importante pour nous et nous terminons à voir lundi et tout comme tout terminons à voir plus tard. Bonne journée. Bon week-end. Bye bye.